dans notre secteur rural, mais je pense que partout, les personnes âgées s'isolent à domicile. L'idéal, ce n'est pas d'accueillir dans les maisons de retraite toutes ces personnes. Donc, il faut soutenir les aidants. C'est pour ça que l'archipel de répit, elle a une valeur pour moi qui est importante, hein, de proposer des solutions. Le fait de ne pas se sentir seul, ça aide beaucoup aussi à supporter des situations. Il y a des morceaux de mémoire. Qui sont là et qui restent. Nous, on mise justement sur des préservations de la mémoire liées au sensoriel. Aujourd'hui, c'est me prendre du temps pour moi-même. C'est prendre du temps pour moi-même, pour mon mari qui est avec moi aujourd'hui, parce qu'on va un peu se retrouver, entre guillemets, vu qu'on n'est que à deux et qu'on n'a pas maman, on va dire, qui nous monopolise toute la journée. C'est vrai que je pense que plus elle viendra, mieux ce sera pour elle. Parce qu'elle se sent vraiment bien quand elle est là. Et on voit qu'elle a envie de parler quand elle revient. Alors que quand elle est à la maison, elle est assise sur une chaise, elle ne dit rien. Elle regarde la télé dans le vide et elle ne dit rien. Je détache une assistante de soins gérontologie à chaque journée parce qu'il faut être minimum deux pour encadrer donc les personnes, surtout les personnes en difficulté. On invite les familles à venir nous rencontrer, ne serait-ce que 5-10 minutes pour prendre quelques documents, pour échanger 3 mots, pour nous connaître. Éventuellement après, ils participeront à l'archipel ou reprendront contact avec nous sur le centre de formation. Et on espère que ça va se développer un petit peu, prendre un peu plus d'ampleur et que les gens pourront venir. Parce que je pense qu'on n'a que quelques personnes qui viennent régulièrement, mais je pense qu'ils sont heureux d'être là. Bravo! Ça rappelle les années en arrière. Demandez-lui, il a dit ça détend. Alors moi, ce qui m'a motivée auprès de l'archipel, c'était donner de mon temps, offrir du bonheur, un petit moment de répit, justement, aux personnes, partager ma passion et puis l'envie du partage.